Nakier, Matilus, dans Delma 40 pays. Ce sont les commerçants qui ont été assassinés. Ils ont joué. C'est un bon détail. Pierre Matilus, je connais l'histoire. Voilà, quand même. Je connais très bien, nous, de l'école. C'était comme ça. Je ne sais pas quoi, dans le des armes, même si c'était toujours mon pont, dans ma chimie, sous l'île, côté. Les bandits viennent attaquer Pierre Matilus. Monsieur râle kidnapper, râle poignard, lui blessé yon là-dedans. Les DCPJ viennent mener enquête. Machine, paradoxalement, c'est la dernière d'elle qui a cité dans la zone d'Elma 41. Les DCPJ viennent prendre machine qui était vite écrasé. Poignard blessé. Yon n'a kidnappé, que n'a yon tué n'a yon la poignard. Yon jeune poignard dans la machine d'elle qui a cité. Alors, vous pensez que vous êtes capable d'opiner aujourd'hui sur le directeur général de la police ou le contrôle directeur général de la police pour aller changer le monde dans le DCPJ, pour aller éliminer le dossier. Vous pensez que c'est des policiers qui ont besoin? Mais la police va venir. Comment? Le DCPJ a un rapport clair, mais il y a et puis il n'y a pas gagné qui vient dans le DCPJ. Ou pas, je suis DCPJ, je suis convoqué dans le DCPJ, il s'est fait conférence de presse, il va parler. Donc, il y a intérêt pour des CPJ pas faire travail. Il y a intérêt pour que les bandits viennent dans cette police là, pour faire police là, pour prendre contrôle police là, pour faire vagabondage. Moi même pas parler. Non, dis pas aller, attends. Ou bien là, tu pas parler, mais là, on dossier dans mon cours ça. Parce que même la première fois, je m'entendais, c'est vrai, je te relais dans le cas, c'est venu, puis on capable d'interroger. Mais contenu, non, ce sont l'autre bagage, mais le monde n'a pas allé à ça qui est arrivé. La police a suivi l'affaire. Oui, c'est ça, par contre, quand il y a, la police a suivi l'affaire. Mais maintenant, est-ce qu'elle va faire suivi par la police? Parce que je n'ai pas gagné un rapport de CPC qui dit que c'est un bagage, nous qui sommes. Mais c'est vrai qu'il va faire ça, mais moi-même je parle sur des faits objectifs, c'est que la police est allée d'Elma 40B, la police peut relever des indices matériels, et il y a un indice matériel, et ça me connaît là, il y a un indice matériel, c'est ça me dit là, c'est couteau Martin de Sac blessé, et on paradoxalement, je veux un couteau dans la machine de la machine. Je veux dire, on m'a dit ça, je ne pas dire le coupable, mais il y a des suspicions légitimes sous implication ou bien au moins une connaissance de crimes qui fait là, qui sont tentatives de kidnapping qui finit par un assassinat. Donc, le fonctionnaire de l'État, Pierre Matilus, était un employé, n'est-ce pas, du ministre pendant longtemps, du ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Donc, on ne peut pas qu'on baille comme ça pour banaliser l'eau. Ici, nous aimons banaliser n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on va blesser? Tout bas, ça y est, on est comme ça quand même au directeur général de la police. Mais moi, je ne peux pas parler. Allez, non. Est-ce que le fait qu'on est capable de deux mouns qui est capable de faire opinion en faveur du directeur général, ça a effacé le dossier de quelqu'un? Si c'est des faits. Est-ce que par exemple, au premier ministre, le contexte nous est là, il y a un poste plus important, c'est au directeur général de la police, ou quand on est consul Nobel, sont pas tenus compte de dossier de l'inspection générale de la police. C'est ce cas. Qui monde qui est capable de prétendre Ariel Henry, c'est un bon exemple, je dis, il y a un problème de sécurité, c'est rien. C'est lui qui fait tout ça. Un politologue, un criminologue, qui est le Yudlin, moi, quoi, qui écrit texte pour dire que bon relation, bon rapport entre insécurité générale qui est dans le pays et les films privés de sécurité. Et le criminologue l'a analysé, l'a étudié, il dit que tellement un problème d'homologation de la formation des films privés de sécurité
un problème sur l'approvisionnement en armes et munitions qui n'est pas fait par les voies régulières. Et sous base ça, un problème de contrôle des autorités de l'État sur sous base ça, compagnie de sécurité, il représente un problème de sécurité publique. Comment on est qui la police, qui est compagnie privée de sécurité, capable de venir directeur général de la police, qui a une compatibilité. Sans celle de compagnie de sécurité, pas? Mais bien sûr, sécurité plus. Sécurité plus qui est installée dans la zone tabac là. Donc, tout le monde connaît. Quelque compagnie privée de sécurité, Ariel, par contre, ça. Le nom est là. Les pas qu'on on est qui est compagnie privée de sécurité. Ça, c'est un problème de sécurité publique pour que n'est qui contrôle sécurité publique là. Et puis, pour qu'il y ait parallèlement compagnie privée de sécurité. Mm-hmm. Ariel, par contre, ça. Bon. Et puis, le fait. Mm-hmm. Bon, 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 moi, tourne sous Nenel Kassi. L'homme de prend exemple, sénateur, ancien sénateur, oui. Que l'IA, il applaudit décision, c'est pas en tant que, ça dit, personne ou bien personnalité, si je capable de dire comme ça. C'est parce que bon, lui en, fait en, partie en, de. En tant que Isabelle? Vous allez ça me dire. Madame Vélon? On nous dit, ok, c'est pas en tant que personne ou bien en tant que personnalité, on a parlé de l'ancien sénateur, mes amis. Et puis qui ont responsable politique qui gagne ou organisation qui fait partie de ou organisation qui signe un accord avec premier ministre mes amis. Madame Bono, vous même qui dit ça. Corrigez-moi. Ah mais madame Bono, vous pas connait que dans pile monde qui entre dans Sénat et de l'encarré. Ou pas connait chambre député à Sénat de la République là au 40%. Non on américain dit 29 sénateurs sur 37 députés. Donc, ça va vrai. Comment ça va vrai? Mais, au moins 40% de qui étaient dans le Sénat, qui étaient dans le Sénat, même toujours, tout le monde connaît des délinquants. Alors, parce que les anciens sénateurs, ça va l'autorité morale? Mais non, on va pas faire ça. Les anciens sénateurs, anciens députés, ils sont suspicions, ils disent, pour lui. Souvent, il n'y a pas aucune moralité, je dis, à l'effet de connaître des députés, des sénateurs. C'est-à-dire que, pas aucun prestige, aucun dignité, aucun fierté à être député, à être sénateur aujourd'hui. Soit c'est député qui n'a pas la voix, oui. Soit c'est sénateur, oui, qui n'a pas la voix. Soit c'est vice-président du Sénat, oui. Donc je sais ce que ça veut dire. Mais il y a l'autre monde dans l'organisation et que peut-être nous n'avons pas cité dans le louche qui est associé et qui est associé avec le sénateur, ça. Aujourd'hui, je viens au premier ministre qui est associé à l'organisation, ça. Et le sénateur, son moment influent. Bon, écoutez, les... Vous avez la phrase à ici, là. Des fois, vous avez des gens dans tout domaine, oui. Vous avez au niveau qui forment des organisations de groupes. C'est pour laver tête, yo, pour protéger tête, yo, de la délinquance, oui. C'est parce qu'il y a une organisation qu'il faut dire que parce qu'il y a une organisation, parce qu'elle est influent, parce qu'elle a fait bruit, parce qu'elle a... etc. qui dit son monde de bien. Nous avons un problème dans le pays, nous parlons de la vérité, ou bien soit par peur, ou bien soit... Nous quittons n'importe monde qui dit n'importe qui passe, qui est louche, qui vient là, qui dit n'importe bagaille, qui fait n'importe bagaille, qui occupe n'importe qui fonctionne dans le pays. Mais après, c'est le pays, vous comprenez? Ceci n'est pas acceptable. Nous pas des droits qui sont pays, côté n'importe qui délinquant, vivre, l'occuper n'importe qui fonction, les noms n'importe qui réunion, la rencontre n'importe qui monde, la parole à n'importe qui monde. Pas même dire un bagaille, oui, il fait pas qu'être réunion, pas qu'être mal à l'heure, non. Vous pensez que trois délinquants réunis ensemble. Vous voyez, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça, je dis que les noms ont pris une bataille contre Jovenel, je dis, faut que il n'y a pas seulement Jovenel pour tourner dans l'autre forme de Jovenel. Donc, même au niveau de l'opposition, nous avons courage pour dire qu'il y a des gens qui ont l'opposition nettoyée pour l'exclure, pour dire que les gens qui ont besoin de prendre le pouvoir, pour que c'est des gens qui sont crédibles, qui sont capables, eh bien, de mettre l'autre orientation à pays. Dans l'émission, nous parlons en pile de, c'est-à-dire, nous avons choisi comme directeur général de la police. Montrer ou dit que au départ les gros dossiers macabres, pourquoi c'est sorti et oui. Nous parler de monde qui est impliqué et dans le choix, mais la véritable question de pourquoi j'aime aborder là, non, c'est à dire que change tes mérites au changement vraiment parce que et Léon Charles il est vraiment pas capable, mais et avec changement ça, bon, me pose aux questions quand même.
parce que regarde ce personnage là parce que gen tout moun t'a demandé mais de à qui ça au capable attendre parce que population t'est espéré que li pral bon ton équipe et puis colter là avec bandio pour moun capable gon souffle à insécurité d'ailleurs c'est ce qu'il a promis lors de son installation. Bon, sur premier aspect question là, oui, d'accord avec. Léon Charles pas capable, qui était changement c'est inévitable. Mais Léon Charles pas capable, c'est tout le problème. C'est pas grave, il pas capable là. Les Léon Charles quitté la police première fois. C'était déjà pour incapacité, le pays a été insécurisé, qui n'a rien à augmenter et puis plan mandé changer les petits blancs pour en marron de sol. Mais malgré le sol de l'État au travail, la tête police, là, c'est pas on la fait. Et puis c'est le mec ça, c'est pour qu'il ait échoué 15 ans plus tard, ou retourner dans cette police là, et bien pour venir échouer encore. Donc nous avons choisi l'échec avec Léon. Et nous avons choisi, c'est bon, nous ne nous connaissons. Nous avons dit, il était le déjà, nous avons dit, il était le nous avons pas de rien. Bon, et puis, l'ordine-nous, ou qu'on est nous-mêmes a dit est-ce que c'est haïtien seulement ou quand pour qui ça me faut tirer pour là c'est parce que on dit que les États-Unis ont été pas capable de remplacer le port et vous avez raison à 90% mais comment on fait retourner avec 16 ans plus tard justement mais voilà eh bien madame Bonhomme mais voilà haïtien pas champion mais vous payez les deux j'ai qu'à développer le pays non. C'est-à-dire, ta nègre la pape fait dans le pays pâle, la vie fait la caillou.
pendant près de 15 ans, des milliards de dollars dépensés, ministre Avinis, où elle veut garantir la sécurité, où elle veut garantir la stabilité, mais pas gagner tout d'interlocuteurs, de monde qui a un tempérament, qui a un caractère, de monde qui a un courage, qui n'a pas l'État, qui vous dit, Sambablel, mais quand vous voulez aller, et c'est le dilemme, non, donc, moi-même pas étonné du tout. Pour gagner une forme de coopération que l'international l'a venu, il prend des décisions pour vous et des décisions pas bon. Parce que c'est pas pays pâle, parce que intérêt pâle pas intérêt pâle. C'est où pour déterminer intérêt pâle comme l'État, ou qu'à collaborer, ou qu'à coopérer avec l'autre l'État, mais pour coopérer, il faut qu'on sauve ou même. Si on offre un bagage, même si la poussée milliard, il n'est pas bon pour vous, ou refuser. C'est ça nous pour gagner. Question essentielle là, ça dit qui ça et nouveau DG police là est capable de faire la monter équipe lui. Ça dit problème sécurité à fol résoudre, problème gangs armés à fol résoudre. En tout cas, les difficile pour pays à marcher, le problème sécurité à pas résoudre. Mais ma ville même nous dit que LB ça va résoudre le problème sécurité. Madame Bonhomme, évidemment, nous parlons de ton rapport, on va le faire plus de détails sur ça. La Fondation, on va le faire plus de détails, on va le faire sur LB, on va le connaître. LB France, mais là, c'est moralité. LB France, à l'opal, quoi de bouquet. Et puis, on est capable de faire des choses, on va le faire pour l'arrêter. Le ministre a dit, devant tout le monde, il a dit, LB, vous allez arrêter là, c'est pas LB, c'est lui. Il va vous m'envoyer là-bas. Elle veut obligé de dire de l'aide. C'est parce que moralité pour poser aucun acte de sécurité. Aux yeux des gens qui connaissent. Elle veut continuer à tirer. Hein? Elle continue à jouer avec les tirer. Non! Non, non! C'est pas si nous tirer. Non! Qui te met-tu pour ça qui est là? Qui est là? Son aïe est déjà élu du l'air. Pabli aime toujours la police, c'est politique. Et il y a son écran de bouquet qui est dans une zone meilleure, dans une zone de deux roues, et qui se compte dans le groupe de la balade, qui jeune ministre dans sa boumain pour Aristide. Donc, il y a une implication, collaboration avec type de police, commissariat de police, qui se gagne des policiers, commissaires police, qui n'a et qui politisé. Et la période. Les LP qui étaient dans Guave, là, le pas des bouquets. Ils viennent à collaborer à qui? Alors, pour mon exemple de qui est-ce qu'il y a, c'est Gang Michéa qui était kidnappé sous son jet Natacha Kerby de Kitch. Ils ont vidé à se battre dans le Dieu, ils ont été torturés, ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait ça sous son jet crime au Dieu, ça. Et ça m'a dit là, ils sont à discuter, ils ont juge d'instruction. De côté, mais ça, à ce fait, problème de discuter. Donc, il y a été un redoutable chef de gang qui était con dans la zone de des bouquets, après kidnapping, après vol à main armée, sous route nationale numéro 8, là, dans le monde qui prend le Saint-Domingue, et tout espace que 400 Maozo censé occuper aujourd'hui. C'était qui est mis occupé d'abord. Et les LP font une croix des bouquets, Mouna pour la fin, la taille qui est c'est baptisé petit, qui est lui, n'est-ce pas? Et puis, tout le monde a connu que l'agent qui n'a pas fini, va le partager dans le commissariat, quoi des bouquets, les samedis, bon, et puis, elle veut prendre le commissaire. Donc, relation, bon rapport avec un gros tout le chef de gang. Non, t'as le. L'idée de bien, monsieur, et avant que, c'est-à-dire, avant que monsieur te vienne dans mauvaise affaire, il vienne chef de gang. Non. À part le dépendant de mauvaises affaires. Si vrai que, les, pas rien plusieurs bagailles qui parlent et passer. Les, par exemple, si elle dit, kidnappé au monde, yo, il connaît côté moun yo. Côté, yo mette le. Et puis, en tant commissariat, quoi de bouquet,
ou te genyen yon policier qui c'était yon agent 4 de police et qui lui-même pas de blé wè question gang nan li pas de blé wè question pour la police pas graser question gang yo yo pral fè on intervention qui préparé par LB yo pral nan zone qui est lié et puis qui est lié yo nan te gagnen deux machines la police qui pral intervenir sur les lieux yo nan policier qui était dans tête yo c'était un policier était relé sur mais la tête yon nan équipe là et yon mette policier ça qui pas de lewe gang nan tête yon l'autre équipe policier ça te relé Jean Elliot Cadet moi Jean 4 et puis étonnamment les rues venant dans zone le roux non tir ciblé policier ça prend balle li mou et lui-même seul mort. Le rumeur circulait que gang n'a pas d'information que policier ça a nan opération mais dans qui position la pied c'est comme si il a été livré l'air enquêté tout paquet qui tapping gang il y a fait juge d'instruction fait sous dossier a li convoqué Tulmé. Et monsieur dit pour l'expliquer juge d'instruction tout ce dossier que nous analyse de production monsieur va l'expliquer que si li gang ni a 275 soldats li gen des armes d'akou M50 d'akou M14 mitrailleuse grenade lance-roquettes. Comme si on pas comprendre comment intervention a été fait préparer avec une telle légèreté, c'est comme si on avait livré un policier à la boucherie. Et il se trouve par hasard que ce policier, c'est un policier qui était anti-gang. Ça devait être gang dans le bouquet. Voyez non, Jean Elliot Cadet. Le juge de soutien qui était sur le dossier, il va le convoquer pour M. Elbe. Ou le bandel, justement, sous base d'information ça, qui vient de faire préparer une intervention comme ça pour les policiers à mort. Elle ne peut pas confirmer que le consistance de ce gang-là, que le connaît gang-là, qui a 275 soldats, que le connaît que lourdement armé, et que son dame était kidnappé, et puis, M. Walzida, il va lui pas de voir, monsieur, il va libérer dame. C'est pour vous passer seulement sur route là. C'est avec l'expliquer du genre, et j'ai la ordonnance, il faut au moins exprimer le tout sous rapport LP à chef gagnant dans le champ policier ça, dans le cadre préparé. Et pour qu'elle m'a parlé au ministre, ça là, c'est un moyen pour qu'on ait puissant le défi. Nous n'avons qui année là, nous n'avons qui année. Et. Non! Est-ce que ce n'est pas 2007? Dossier, non, pile dossier, disons là. En tout cas, vous pensez que c'est 2007, oui, parce que c'est en 2008 que le juge va l'interroger, LB. Il va l'interroger en mai 2008. En mai 2008. Okay. Ouais. Donc, mais si. Des problèmes. Au moins, vous avez un doute sérieux. Un doute sérieux sous relation. Vous mettez ça, on ne passe pas ici à des signes la carré avec des chefs de gang, des évidences, pas d'évidence. Donc, ou pas capable, Josia, ou son policier, comme ça. Mais la police est sérieux, la boue, mais la qui est capable de diriger la police, qui n'a pas de commandement déjà, qui a une qualification.
dim ou pas choisir là d'ailleurs c'est ça pour vous prendre Ariel pas sérieux mais tout dossier ça bon, par exemple dernier dossier même comme si il était dans phase instruction par quelqu'un d'ailleurs qui fait sous lui encore après ça non dans quatre derniers dossiers ça juge là va le rendre en ordonnance il va le rendre en ordonnance moins coin en mars 2009 en mars 2009 il va le rendre en ordonnance et juge là va le voyer juger et on a bagage va le caser il y a eu il va juge là va le gagner un et pendant pas ça il va le voyer juger en pile monde dans le camp de l'IA donc Zachary son père Zachary Pierre il croit c'est lui-même qui l'a gâché dans le chien Natacha qui a pris des sources il va le révéler tout dans l'État au nom de et qui est libre vient tout bel et la police a fait il y a des informations là il va le faire intervention contre il va le faire intervention contre lui il va le blesser dans la jambe vous voyez dans l'hôpital, vous voyez dans l'hôpital général. Et à ce moment-là, Gisela rend en ordonnance de transport sur les lieux. Gisela prend tendait monsieur l'hôpital. Et là, Gisela l'a Gisela tendait monsieur, Gisela tendait médecins qui étaient sous cas, et il dit que si monsieur pas en danger, dans très peu de temps, il va être à tel pour Gisela qui va être en prison pour fouillé en tête lui, en les ordonnances lui. Mais paradoxalement, deux, trois jours plus tard, il est l'hôpital Alphamba là. Monsieur Pral cite des noms de monde que la collabora avec eux. Des monde que lui, qui n'a pouvoir, qui n'a la police, qui a travaillé avec eux. Et malgré que le juge là, qui entendait le docteur, il va en danger. Il n'a pas qu'à parler dans cette saison de l'hôpital là. De deux à trois jours plus tard, après le juge là, c'est lui qui va le mourir. Et juge là, dans l'ordonnance, il va le qualifier de la mort, qui est dit comme une mort suspecte. Mais des informations de recueillir l'hôpital là, pas de permettre, pas qu'à comprendre que immédiatement il saute l'hôpital là. Et puis pour monsieur, mourir. Donc, c'est pas le manquer des éléments pour juge là, dans l'ordonnance qu'il va le rendre, parce que si il va le pratiquement assassiner à l'hôpital, c'est ça. Et juge là, va le rendre l'ordonnance, côté le voyer juger des mouns qui étaient dans le camp qu'il y a. Il y a un qui va le sauver, qui va courir à Saint-Domingue, mais qui va le partir, hein, et quand il va le craser l'État. C'est bon, non. Élément qui établit comment procès a été fait. Mais c'est bon, bon. Mais, Madiste, vous finissez dit tout bas ça au matin là, concernant le nouveau directeur de police, et Frantz LB. Et puis, vous dites, où est-ce que vous toujours pour dire dans le rapport FJKM? Oui, nous avons toujours. Vous avez rapport, vous avez le bon donc qui vraiment c'est me sens mot me sens voix vraiment très troublé par rapport à et ça dire et comme journaliste me garder débat déjà et bon ma connaît qu'on y a joué pour directeur et joué pour premier ministre qui parle connaître ouais, ça que et yo qui ça qui pourra le faire par rapport à ce nouveau directeur général de la police et puis peut-être c'est après une décision capable de fin prendre parce qu'il y a une enquête qui va le faire tout parce que on a dit parlé aux organisations et son organisation qui bon bah connaît ça dit pas forcément parole d'évangile faut qu'on enquête poussée et pour qu'il fait et par la primature pour et une décision capable. Bon, oui, madame Blom, écoute, madame Jo. Madame, je pense que il est temps pour nous commencer à prendre pays au sérieux. On a nous fait comme bagaille qui montrait que
avec comme dit ils ont côté c'est bon pays. Bon, madame bonhomme, c'est qui pays au monde? C'est qui pays au monde? Nous kidnappons un citoyen et puis vous tendez la clameur publique dénoncer le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité intérieure du pays. Et puis le gouvernement va trouver une explication à la population. Est-ce qu'on va gagner? Et puis un citoyen qui kidnappé. Un homme d'église, un homme de Dieu, qui n'a rien dans l'église, et puis la clameur publique dénonçait le ministre de l'Intérieur. Non. Ouais, homme de Dieu, hein? Ouais, homme de Dieu, faut t'arrêter, lui. Pour pasteur. Ou va t'aider Zaki. Moi, j'ai pas responsabilité, me dit ça. Même j'ai tout à l'heure, t'as dit que nous n'avons pas dit personnalité. Parce que où est qu'on retraite ou de association et chrétienne et tout. Par rapport à ça qui a passé là. Oui, donc, oui, ça, même, j'ai pas responsabilité, me dit ça. On retire homme de Dieu. On dit, ou citoyen. Bon, oui, nous capable de dire ça. Oui, mais on citoyen qui a pris l'église. On a dit comme ça. Bon, oui, oui, bon, c'est ça lié, oui. Oui, il a dirigé l'église. Bon, ok. Mais pour n'importe qui citoyen, on ne peut pas dire. Mais la CPSP, c'est son homme de Dieu. C'est dans le sens qu'on dit que son église est une communauté des valeurs. Mm-hmm. Elle a appliqué, elle a parlé, elle a dirigé, que le monde qui a gardé l'État. C'est dans le sens. Pas pour passer. On a parlé de l'action qu'elle a occupée, des monde qui a suivi, qui a gardé des communautés, des fédérations d'hommes et de femmes, d'apprendre l'éducation. Et puis, comme si, et puis aussi, c'est donc un de ses fidèles qui se trouve être le ministre de l'Intérieur. Comment pour le gouvernement, comment pour l'État faire été, pas du peuple en rien. Mais pas pour nous pas indignés dans rien, je dis. Mais par ailleurs, c'est ça que fait ces délinquants de la voix au chapitre de l'État. C'est comme si il y a un monde de vie, pas un droit. Occupe aucune portion là-dedans, c'est de l'incantellement. Bah, je me suis posé sur ça parce que j'ai écrit Premier ministre sur ça, un petit texte, pour me dire, mais par rapport à ça, qui position officielle primature là, il dit que, bon, il y a même pas enquêté sous question parce que il a posé ministre, il a demandé ministre, il dit qu'il n'y a rien pour le faire. Donc, peut-être n'a pas connaît plus, je connais si c'est officiellement, comme moi, famille. Et monsieur A, ça représente comme pasteur A, et il fait des menaces là pour ta dire plus bagay et n'a pas pour nous, et ça cap passe. Gros question, oui, mais ça m'a dit, il faut nous finir en fait deux même. Et carburant et puis sous et nouveau directeur général et la police là, et est-ce que. Et son question auditeur, est-ce que France LB t'est inculpé? À ma connaissance, non. Deuxième question. Deuxième question, c'est concernant les carburants, je retourne sous lit. Et est-ce que nous avons des ministres des Finances parlé sous ça à plusieurs reprises que l'État n'a pas gagné pour continuer de subventionner entre guillemets Gaza? Tu as une augmentation dans l'air. Je dis finalement, ce n'est pas là nous aller? Bon, baronne, mais faut que je vienne expliquer pour qui ça. Parce que, comme dit Débazin, pas économique. Peut-être, nous avons des deux écoles. Nous avons des groupes économiques qui disent qu'il faut Gaza monter. Nous avons le groupe qui dit que si on suspend gaspillage capteur pour l'argent de l'État dans l'autre domaine, il n'y a pas besoin de monter gaz là. Il n'y a qu'à compenser les besoins que vous gagnez dans la taxe pour gaz là par une meilleure gestion de l'État. Donc, meilleure gestion des dépenses de l'État. Moi-même, je pensais, ça a été plus bon que monter gaz. Si j'ai plus de bagages, j'ai plus de dépenses inutiles, comme une gagote capte, nous avons mis fin à eux, qui vous permettent, parce que leur monter gaz là, pour aller monter tout produit, c'est la mission pour l'augmenter. Donc, si j'ai moyen pour nous diminuer les dépenses de l'État, nous suspendre les gagotes, et puis pour ne pas monter gaz là, nous avons choisi la deuxième solution, même temps de l'aider. Parce que Gaza est pris à monter la sous
sur marché international là. Ah ben merci beaucoup oui, maintenant Distin. En pile cause du matin là. D'ailleurs, c'est moi qui remercie. Parce que de plus en plus dans le pays, pour que nous soyons pendant trop longtemps, nous restions dans le silence, quoi, c'est quoi, nous quitter ces délinquants qui ont fait le pays.